Après avoir dîné, Jésus emmène ses disciples dans le jardin des Oliviers. Il les prévient que quelque chose de grave va se passer. Il leur dit « Restez ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il est très angoissé. Il leur dit « Mon cœur est triste, triste à mourir. Restez ici avec moi et priez. » Puis Jésus fait cette prière à son Père. « Mon Père, s'il est possible, fais que je n'ai pas besoin de souffrir. Mais Père, que tout se passe comme toi tu le veux. » Puis il rejoint les autres disciples, mais ils dorment. Il retourne prier une seconde fois. Quand il revient auprès de ses disciples, ils dorment toujours. Il retourne prier une troisième fois. Il réveille enfin ses disciples et leur dit « L'heure est tout proche, où moi, le Fils de Dieu, je vais être livré aux mains de ceux qui sont pécheurs. Levez-vous, allons, il arrive celui qui me livre. » Judas, qui avait quitté le repas plus tôt, arrive avec des soldats à qui il dit « Celui que je vais embrasser, c'est Jésus, arrêtez-le. » Judas s'approche de Jésus et l'embrasse. Jésus lui dit « Mon ami, fais ce que tu as à faire. » Alors les soldats arrêtent Jésus. Un de ceux qui sont là avec Jésus prend son épée et coupe l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Mais Jésus lui dit « Rentre ton épée. Ceux qui tuent par l'épée seront aussi tués par l'épée. » Quelle triste nuit, Jésus, quand tu vois dormir les tiens, quand tu te sens délaissé et tu sais ta mort prochaine.